Shalom à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Vous écoutez l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nkumana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde. Et je remercie particulièrement ceux qui partagent leurs témoignages. J'aimerais encore insister en vous rappelant que si vous écoutez les témoignages aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ceux qui ont témoigné. S'il n'y avait pas de témoignages, même si je prie, vous n'entendrez rien parce qu'il y a beaucoup de guérisons qui sont faites grâce à la foi que les gens ont eue à travers les témoignages. Si tu témoignes, non seulement tu donnes gloire à Dieu, mais tu délivres quelqu'un. Il y a ceux qui ne savaient pas. Il y a ceux qui témoignent juste parce qu'ils sont contents que Dieu les a guéris. Mais quand ils témoignent, c'est pas seulement pour la gloire de Dieu, mais aussi ça délivre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est délivré. Il y a quelqu'un qui est libéré. Parce que en écoutant ce que Dieu a fait pour les autres, tu as la foi. Et si tu as la foi, le démon qui te liait, l'esprit qui te liait, fuit la foi qui est en toi grâce au témoignage que tu as écouté. Donc il faut savoir que quand tu témoignes, tu libères quelqu'un. Il y a une personne ou deux personnes qui seront libérés grâce à ton témoignage. Donc, si Dieu a fait quelque chose pour toi, ne garde pas ça en toi. Aujourd'hui, un témoignage spécial d'une femme qui a conçu après 21 ans de stérilité. Et vous savez qu'on a déjà même entendu 24 ans. Et s'il y a toutes ces femmes qui témoignent, on a des centaines de femmes qui ont été libérées, qui étaient stériles, mais aujourd'hui qui ont des enfants. Mais ça s'est passé parce qu'il y a des femmes qui témoignent. Parfois, ça me fait mal quand j'apprends qu'il y a des femmes qui ont conçu à travers ces prières et qui étaient stériles depuis plus de 10 ans, mais qui ne témoignent pas. Donc, si tu as été visité, témoigne. Il faut témoigner. Peu importe la maladie, la délivrance, ceux qui ont été sauvés, transformés, il faut témoigner pour la gloire de Je suis et surtout pour libérer les autres. Aujourd'hui, j'aimerais vous informer que depuis lundi de cette semaine, nous diffusons les émissions de Kanguka sur Facebook. Vous savez que sur YouTube, il y a des émissions de Kanguka en français, en kirundi, en anglais et même les témoignages. Mais à partir de lundi, il y a des émissions de Kanguka en français, en kirundi et en anglais sur Facebook, sur ma page. Si vous allez sur la page Chris Nkumana, il y a toutes les émissions de Kanguka tous les jours. Ceux qui veulent suivre Kanguka sur YouTube, il suffit d'écrire Kanguka français. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Maintenant, je vous demande d'écouter les témoignages et juste après les témoignages, soyez préparés pour la prière. Shalom, shalom à tous. Bonsoir, la famille Kanguka. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner les grandeurs du Seigneur dans ma vie. Vraiment, je demande pardon d'abord pour le retard, car j'ai mis du temps pour témoigner. Je suis une Gabonaise, comme je disais. J'ai vécu 21 ans dans la stérilité, 21 ans de souffrance. J'ai cherché pendant 21 ans à concevoir, mais rien. Je me suis même fait initier pour chercher l'enfant. Rien. J'ai connu Kanguka à travers ma belle-sœur, la femme de mon grand frère, qui a commencé à m'envoyer les audios de Kanguka, mais je ne prêtais pas attention. Et un jour, elle m'a appelé en me disant, « Est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie là ?» Je lui ai dit « Non !» Le son là vraiment me dérange. Je me dis non, écoute, tu ne seras pas dessus. Et j'ai commencé à écouter. Ça m'a intéressé. Et j'ai commencé à faire les prières. J'ai commencé à écouter les prédications avec Chris tout le temps. C'était ça mon quotidien au travail, à la maison. J'écoutais Kanguka. Jusqu'à ce qu'un jour, on a fait la prière du samedi. L'homme de Dieu a dit, celle qui a besoin d'enfant, mettez la main sur le ventre. J'ai posé ma main droite sur mon ventre et j'ai prié avec l'homme de Dieu. Après la prière, j'ai dit Amen, Amen. Et je continue comme ça, tout le temps à écouter. J'avais complètement oublié que j'avais posé la main sur le ventre pour demander l'enfant à mon Dieu. Un mois plus tard, je commençais à avoir les mal d'estomac. Ma meilleure amie me dit non. Claudia, tu es enceinte. J'ai dit, enceinte, bijou, non. Elle me dit, tu es enceinte. Je dis, ah, vraiment, que Dieu t'entende. Et ça a persisté jusqu'à ce qu'elle ait acheté le G-test. Elle m'a donné et j'ai fait le G-test. C'était positif. Ah, le trait rouge. J'ai filmé et j'ai envoyé à ma belle-sœur qui m'a envoyé les liens des Kanguka. Elle me dit, oui, tantine, tu es enceinte. Oh, mais on va d'abord garder ça.
Et jusqu'aujourd'hui, vraiment, pardon pour le retard. J'ai accouché une magnifique fille. Elle s'appelle Précieuse Gloire, la gloire de Dieu. Elle a 6 mois aujourd'hui. Pardon encore pour le retard. Vraiment, Dieu est merveilleux. Vraiment, Kanguka fait des miracles. Oh Jésus, Père, vraiment, je te dis merci pour tous les bienfaits. Car aujourd'hui, on m'appelle maman bébé. Aujourd'hui, on m'appelle par le prénom de ma fille. Vraiment, je n'ai pas de mots. Juste dire gloire à Dieu, à lui la puissance, à lui le règne, à lui la gloire. Oh, vraiment. Merci pour tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Allô, allô, bonjour, émission Kanguka. Je vous dis merci. Je vais vous rendre mon témoignage. Ça fait 15 ans que j'ai fait un enfant. Après cela, plusieurs fois j'ai essayé. C'est des fausses couches. Mais par le bien d'une maman, j'ai écouté. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. J'ai un enfant de 1 semaine. Donc je voulais dire merci à Kanguka. Écoutez Kanguka, ça vous fera du bien et ça va vous libérer de tout ce qui est esprit maléfique. À travers Kanguka, toute ma vie a été rangée. Toute ma vie a été résolue. Mon foyer a été sauvé. Je voulais vous dire merci. C'est mon témoignage. Shalom, shalom aux éditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis un Togolais résident au Togo. Je viens pour rendre grâce et gloire à Dieu par son Fils Jésus-Christ pour la guérison qu'il m'a accordée. En effet, suite aux douleurs et contractions que je ressentais au niveau de mon ventre et de ma côte droite, j'ai jugé bon d'aller se faire examiner à l'hôpital. J'ai eu la force et le courage d'aller se faire examiner lorsqu'une auditrice de Kanguka m'a parlé de Kanguka. Elle ne savait pas que j'étais souffrant. Je me suis dit que je suis certain que quelque chose n'allait pas. Mais avant de commencer à prier sérieusement avec Kanguka, je dois faire un bilan médical. Ainsi, je pourrais dire précisément que Dieu m'a guéri de telle maladie. C'est ainsi que le 27 août passé, je me suis rendu à l'hôpital. Et d'après les analyses, je souffrais de l'hépatite C. L'assistant qui m'avait pris en charge m'avait dit de se rendre au CHU pour commencer à suivre un traitement. Mais depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas allé au CHU pour suivre un traitement quelconque, parce que j'ai foi que Dieu va me guérir. Hier, j'étais poussé par l'Esprit de Dieu d'aller faire un contrôle dans le même hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à écouter la prière d'hier. Je ne l'avais pas écoutée chez moi à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et l'homme de Dieu, vers la fin, disait que quelqu'un est guéri de l'hépatite C. Et j'ai répondu « Amen ». Il a encore dit qu'il y a 2 personnes qui sont à l'hôpital actuellement. Ils ont la foi que Dieu va agir et j'ai encore dit Amen. Je vous assure que après l'analyse effectuée hier, je ne suis plus porteur du virus de l'hépatite C. C'est négatif. Je suis dans la joie et je suis reconnaissant pour cette grâce que Dieu m'a faite. Je suis certain que cette guérison boostera à jamais ma foi et ma vie chrétienne. Merci infiniment à Dieu pour la vie de Christ Ndikoumana. Que Dieu soit toujours avec toi, qu'il continue à t'utiliser puissamment jusqu'à la fin de tes jours. Ainsi, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Je viens témoigner, rendre grâce à notre Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Au mois de septembre, j'ai été diagnostiqué malade de l'hépatite B au CHU d'Ovindo. Je suis gabonais à Libreville, pour ceux qui connaissent. Et après ce mois, je suis resté dans la prière jusqu'au mois de décembre de cette même année 2021.
Et le Seigneur a fait grâce que j'aille faire encore le contrôle. Et je suis allé faire le contrôle au laboratoire Berthenot, pour ceux qui connaissent, à Libreville. Et en ce jour, je vous témoigne, il n'y a plus de traces de l'hépatite B dans mon foie. Tous mes examens sont négatifs. Je viens bénir le Seigneur, lui rendre grâce, glorifier son nom pour son amour et sa fidélité, et dire merci pour l'équipe Kanguka, dire merci pour ce que le Seigneur fait avec Chris Ndikumana, son équipe, et que Dieu continue à impacter l'Afrique, l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, toute la terre, à travers ce message de vérité, de transformation de vie. Que Dieu soit loué. Shalom, shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis une jeune fille gabonaise qui réside au Gabon. J'ai mon témoignage juste pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits parce que ma vie était compliquée. Il y a eu les combats, les difficultés, les blocages. Et je vais rendre témoignage pour la guérison. J'avais un problème de santé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Depuis mon enfance, mes parents disaient que depuis que maman est enceinte de moi, elle avait commencé à avoir des attaques. Et depuis ma naissance, j'ai toujours eu un problème de santé. Je n'ai jamais fait une semaine en bonne santé. Et en 2021, par le canal d'une tante, elle m'a demandé si j'avais écouté l'émission Kanguka. Et je lui ai dit non, je n'ai jamais entendu parler. Elle m'a dit non, il faut télécharger ça. C'est vraiment, il y a les prières là-bas, c'est vraiment bien. Moi, c'est ce que je suis. Et je lui ai dit non, mais là, pour le moment, mon téléphone ne passe pas. Donc, quand je vais arranger le téléphone, tu vas m'envoyer ça. Et après, elle m'a aussi perdu de vue. Et en juin 2021, on m'a lancé l'office nocturne. Et j'ai fait 3 mois paralysée. C'était compliqué. Et c'est par le canal de ma belle-sœur. Et quand elle a appris que j'étais malade, elle m'a dit, attends, elle a commencé à m'envoyer des témoignages, attends, je vais t'envoyer le Kanguka, il faut vraiment écouter l'émission là, vraiment, c'est un homme de Dieu, Dieu l'utilise puissamment. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et quand elle m'a envoyé des témoignages de samedi, les prières, je lui ai dit, non, tu ferais mieux de m'envoyer l'option, comme ça moi-même, je vais télécharger. Et j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu, écouter les témoignages, prier avec l'homme de Dieu. Et ma prière, c'était toujours, je disais, Seigneur, il faut restaurer ma santé, ma vie n'est pas stable, je ne suis pas stable, je travaille comme si je ne travaillais pas, tout l'argent va à l'hôpital. Et en 2020, j'étais partie à l'hôpital, l'hôpital m'avait diagnostiqué, on m'avait trouvé avec le VIH et l'hépatite C. Le médecin avait dit que j'avais contracté l'hépatite C depuis mon enfance. Et je lui ai dit non, donc chez nous, personne n'a souffert de ça. Donc, je ne sais pas comment. Et quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait part de ça à mon mari. Je lui ai dit, voilà, je suis à l'hôpital. C'est que le médecin m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Et il m'a dit, on va prier, le Seigneur va faire. J'ai dit, gloire à Dieu. Et lui, il n'avait rien. Et c'est comme ça que je suis restée toujours dans la prière. J'ai prié depuis que je suis toute petite. Et j'ai commencé à me poser des questions. Je disais, Seigneur, et pourtant, depuis mon enfant, je prie, je te sers, mais pourquoi? Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, le devise, on disait qu'il faut pas vous lamenter. Pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. À chaque fois que je voulais me lamenter, quand j'ai pensé à cette parole, je revenais toujours, je dis que non, l'homme de Dieu a dit, on ne doit pas se lamenter. Et ça me fortifiait vraiment. Ce genre de pensée, de lamentation, ça partait. Et c'est comme ça, samedi 27, mon témoignage, c'est pour samedi 27, je revenais de l'hôpital voir l'ophta. Quand je suis rentrée, et j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à mon mari, est-ce que tu as fait la prière aujourd'hui? Il m'a dit, oui, moi, je vais prier. Et là, j'ai dit, non, moi aussi, je vais rentrer dans la chambre, il ne faudrait pas qu'on me dérange, je vais prier. Et quand j'ai mis la prière de samedi, j'ai écouté les témoignages. C'est comme ça que j'ai entendu l'homme de Dieu a dit qu'il y a une personne, pendant que j'ai commencé à prier, la personne était débaillée. La personne était débaillée, c'est sa délivrance, on était débaillée, vraiment, la personne était débaillée, c'est sa délivrance, et les liens qui ont été d'être brisés. Et pendant que l'homme de Dieu parlait comme ça, j'ai commencé à bailler. De toute façon, non, j'ai baillé, je n'ai jamais baillé comme ça. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'ouvrir la bouche et la bouche devenait large. Et je commençais à bailler, vraiment, je commençais à bailler. Et j'avais les larmes qui coulaient pendant que je tentais de bailler. Un moment, j'avais froid, mais je ne faisais que bailler. Et donc, quand la prière est finie, j'ai remis la prière. Et un moment, j'avais envie de rendre. Mais quand je me suis levée pour aller rendre, je n'ai pas vomi, mais j'ai craché. Vraiment, la salive était lourde.
comme s'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau de ma gorge, au niveau de mon cœur. Donc, la chose avait du mal à sortir, mais j'ai ressenti une boule et j'ai commencé à cracher. Et c'est resté là longtemps, j'ai commencé à bailler, fatigué. C'est comme ça que je me suis levée pour aller appeler mon mari au salon pour dire que « Viens, m'aider, on va prier, je me sens vraiment mal. » Mais malheureusement, il dormait. J'ai vu mon grand-fils, il m'a dit « C'est comment tu es en larmes, tu as quoi ?» Je lui ai dit rien, je suis repartie dans la chambre. J'ai remis encore la prière, je ne faisais que prier. Et les mêmes manifestations se répétaient. Et là, je commençais à gratter, tout le corps me faisait gratter, tout le corps me faisait gratter, tout le corps me faisait gratter. Et quand l'homme de Dieu a dit que les personnes qui sont atteintes du VIH, vous êtes délivrées, et les mêmes manifestations encore reprises. Et là, quand je suis sortie de fusée nocturne, quand je suis rentrée, avant la délivrance là, je me sentais fatiguée, j'étais seulement fatiguée. Et j'avais beaucoup maigri, les gens disaient que j'allais mourir. Et je ne pouvais pas faire quelque chose parce que je me sentais fatiguée, je ne dormais pas. Je peux dormir à partir de 19h jusqu'à 23h. Dès qu'il est 23h jusqu'à 6h du matin, je n'ai pas sommeil. Je me sentais mal, je me sentais étouffée. Ici, c'est le pied qui me faisait mal. Ici, c'était, je ne peux même pas expliquer ce que je ressentais. Et depuis ces jours-là, je rends grâce à Dieu. J'ai vraiment récupéré mon corps. J'ai grossi. Les gens se demandent même et posent des questions. Oh, tu as pris du poids comme ça? Tu es enceinte ou quoi? J'ai dit non, vraiment, j'ai récupéré. Je dors bien maintenant. Je me sens plus fatiguée. Je suis repartie à l'hôpital. Je n'ai plus le VIH. Il n'y a plus rien. Vraiment, je rends grâce à Dieu. J'ai béni Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a que lui qui était capable de briser les chaînes qui étaient dans ma vie. Il n'y a que lui qui était capable de restaurer ma santé. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis dans la joie. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à l'équipe Kanguka, les serviteurs, les membres de l'intercession, l'homme de Dieu qui ne cesse d'utiliser. Je vous dis merci, merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Je suis une sœur du Congo. Je viens témoigner des merveilles de Dieu. Franchement, il est Dieu. Franchement, croyez à ce Dieu-là, il est capable de tout. J'avais connu Kanguka. C'était à travers les amis dans un groupe sur Facebook. Si quelqu'un a un problème, les gens disaient que non, mais télécharge Kanguka. Moi, je dis, Kanguka, mais c'est quoi, c'est? J'ai entendu quelqu'un dire, non, télécharge Kanguka. J'ai demandé à mon enfant de télécharger Kanguka. Et il a téléchargé Kanguka. Maintenant, j'ai vu, j'ai écouté les enseignements, les témoignages. Franchement, ça m'avait édifié. J'ai dit, oui, j'avais maintenant vraiment la foi à cause de notre problème. J'avais maintenant la foi à cause de notre problème. J'ai dit, non, si Dieu a fait aux autres, il est capable aussi à faire en nous. Franchement, même pas deux semaines, on a eu notre guérison. Le Dieu là, nous a guéri de séropositif en séronégatif. Non, il est Dieu. Croyez bien aimé, c'est pas du mensonge, c'est la vérité, les témoignages qu'on entend là. Ce Dieu-là est merveilleux. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Très puissant. Dans le rêve, je rêve que on m'a enlevé, il y avait un insecte qui était dedans de moi. J'ai appuyé, l'insecte est sorti. Non, il est Dieu. Il nous a guéri. Franchement, c'est allé à l'hôpital, c'est sorti, c'est négatif. Dieu bénit Christ, bénit sa femme, Seigneur Jésus, bénit ses enfants, les collaborateurs, les gens qui sont en train de soutenir l'émission Congo, que les partenaires. Soyez bénis. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. Je voudrais en effet, cher peuple de Dieu, témoigner de la grandeur de Dieu et tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré des esprits méchants, des esprits de serpent dans ma vie, et je voudrais partager ce témoignage-là. En effet, j'ai reçu l'émission Kanguka pour la première fois d'un ami en 2017. En ce moment, j'ai écouté, j'ai banalisé. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Par la suite, en 2021, j'ai reçu ça une seconde fois par le biais de mon épouse.
qui m'avait fait savoir que c'était d'un ami de notre église. Elle a reçu ça et que elle a écouté, c'était vraiment intéressant. Du coup, moi aussi, j'ai commencé par m'intéresser à cette émission. Chaque fois, je suis ce qui se passe, je suis les enseignements tous les jours. Et la qualité de l'enseignement et la façon dont l'homme de Dieu explique les choses, vraiment, ça me faisait vraiment du bien. Chaque matin, quand je me réveille, j'écoute toujours l'émission Kangoka ou même dans la voiture en cours de route avant d'attendre le samedi où il fait la prière pour les malades. Donc, je suis des Forces armées béninoises et c'est depuis le Bénin que je suis en train de donner ce témoignage-là. Donc, c'est ainsi que le samedi dernier, j'ai écouté la prière des malades du samedi 4. Je l'ai écouté le dimanche, toutes mes excuses, le dimanche. Et c'est de là que j'ai été touché. J'ai été touché et délivré de l'esprit de serpent qui me dérangeait, et cela depuis mon enfance. Cela depuis mon enfance, ça a été difficile. Chaque fois que je dors la nuit, je sens que j'ai couché une femme. Et donc quand j'ai écouté les témoignages, comme il a l'habitude de l'enseigner, j'ai écouté les témoignages ce jour-là avant d'aller à la prière. Et j'ai saisi le témoignage d'une dame qui a été hantée par ces mêmes esprits pendant près de 28 ans. Donc quand j'ai écouté ce témoignage, j'ai saisi le témoignage. J'ai commencé même par prier avant que l'homme de Dieu ne commence par prier. Et quand il a commencé par prier, j'ai mis la main sur mon cœur. Pendant que je désirais la délivrance des esprits de serpents et tout, c'est autre chose, j'ai commencé d'abord par ressentir la délivrance des esprits de famille et autres. Donc par la suite, maintenant, le serpent s'est présenté, c'est moi le serpent, je le suis dans sa vie depuis son enfance, j'ai détruit ci, j'ai détruit ça, il a dit tout ce qu'il a fait, maintenant ce corps je ne peux plus rester parce que le feu est trop, ce corps là, non, son propriétaire même arrive, je ne peux plus rester, je vais ramasser tout ce que j'ai mis partout, même sur sa femme, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mis dans leur chambre. Et ça y est, j'ai rampé dans toute la maison. J'ai rampé. Pendant ce temps, mon épouse et mes enfants étaient dans la cour. Ils ne savaient même pas ce qui se passait. Parce que je me suis enfermé, je me suis isolé. Quand ça a commencé, c'est plus tard, ils ont senti que je faisais beaucoup de mouvements dans la chambre. Mon épouse s'est approchée pour voir ce qui se passe, comme elle-même comprend un peu. Elle sait que c'est la prière, c'est la délivrance, donc elle s'est retournée tranquillement. Donc je rampais, ça finit, je manifeste. Après, je remets encore. J'ai passé plus de 4 heures de temps, chers amis, en train de suivre la délivrance de cet esprit-là, hein, qui a vraiment... Hein, d'après lui-même, a mis beaucoup de choses sur moi. Il a mis beaucoup de choses sur mon corps, dans mon sexe, partout. Il a détruit beaucoup de choses dans ma vie. Mais je rends grâce au Seigneur et je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cet esprit, de plusieurs autres esprits. Je rends vraiment grâce au Seigneur. J'exhorte tout le monde, ceux qui écoutent l'émission Kangoka et qui pensent que peut-être qu'on a monté des gens pour venir donner le témoignage. Non. Je les rassure que, je dis bien que je suis des Forces armées béninoises, donc je les rassure que vraiment l'Éternel est là. Dieu est présent dans cette émission et Dieu délivre, il guérit, il libère tous ceux qui sont des prisonniers, des captifs du monde spirituel. J'exhorte vraiment à ce qu'on fasse large diffusion de cette mission, qu'on partage cette mission partout, parce que ce que Dieu est en train de faire à travers cette mission, vraiment, c'est de très bonnes choses. Donc, j'invite tout le monde vraiment à croire en ce Dieu, Dieu qui utilise l'homme de Dieu. Vraiment, nous lui disons merci. Nous disons merci à toute son équipe et à tous ses soutiens, ses partenaires qui permettent que cette mission-là nous soit diffusée. Nous leur disons merci. Je suis en train de témoigner ainsi pour la gloire du Seigneur Jésus. Je vous remercie.
Shalom à toute la famille Kanguka. Je suis pasteur et je viens rendre témoignage dans un premier temps pour donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, mais aussi pour encourager quelqu'un qui hésite à pouvoir écouter Kanguka, à recevoir Kanguka, parce que c'est difficile en tant que chrétien, surtout chrétien mature, de recevoir, de s'ouvrir à ce que nous ne connaissons pas. Et je vais rendre témoignage également pour bénir le nom de l'Éternel notre Dieu pour le travail qu'il accomplit dans le ministère du Christ Ndikumana. Et cette œuvre au bénéfice, elle est en train de faire de bonnes choses, cette œuvre-là, dans la vie de plusieurs à travers le monde. Il y a quelques mois environ en arrière, 5 mois environ, alors que je priais chez moi à la maison un après-midi, j'ai ressenti un malaise. J'ai commencé à étouffer. Je sentais mon souffle coupé. Dans la précipitation, par réflexe, j'ai cru, je ne sais pas ce qui advenait. Je me suis même incisé un peu le bout de doigt pour laisser couler quelques gouttes de sang, mais rien ne se passait. Et je me suis rendu à l'hôpital et ma tension était élevée. Depuis ce jour, ma tension était élevée, autour de 15. Mais il s'est trouvé que toutes les nuits, je n'arrivais pas à fermer les yeux. Dès que je ferme les yeux pour dormir, je sens une oppression, mon souffle se coupe, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, je m'étouffe et c'est comme si on me pressait sur la poitrine et je suis obligé de me réveiller en sursaut. Et pendant plusieurs semaines, je priais toutes les nuits. J'étais obligé de m'asseoir jusqu'au matin et je dormais plus parce que mon corps était fatigué. C'est comme ça que j'arrivais à dormir. Je suis allé voir les cardiologues. On a fait l'ECG, on n'a rien trouvé, ça persistait. Après, on a fait des examens complémentaires, l'échographie cardiaque, mais rien. J'étouffais toutes les nuits. Je ne pouvais même pas faire de longues distances. Et j'avais des malaises souvent quand je m'arrêtais pour prêcher. Je suis allé faire des examens de sang. Et là, on a détecté un prédiabète. C'était pas encore le diabète, c'était un prédiabète. Et deuxième pathologie détectée, le taux d'acide urique dans le sang était plus que la normale et en plus de la tension. On m'a mis sous des régimes alimentaires, il y avait aussi de l'ulcère qu'on soupçonnait. Donc il y a en même temps un régime pour l'ulcère, un régime pour l'acide urique et un régime pour le diabète. Bien aimé, je perdais du poids, je me sentais fatigué. Un samedi matin, alors que j'étais couché, parce que tous les samedis, le mal était encore beaucoup plus persistant. Rien que pour m'empêcher d'aller prêcher le dimanche au culte. Car un jour, au pupitre, à l'hôtel, pendant que je prêchais, j'ai même fait un malaise. Donc, tous les samedis, le mal était beaucoup plus persistant, beaucoup plus fort. Et un samedi matin, alors que j'étais couché, je reçois un message, une alerte pour un message sur WhatsApp. J'ouvre mon WhatsApp, c'est mon frère qui vit en Allemagne, qui avait appris que je me portais pas bien, qui va m'apporter 3 audios de Kanguka. Oui, j'avais déjà entendu parler de Kanguka, qu'on m'envoyait souvent, mais je n'avais jamais pris le temps de l'ouvrir ou bien même d'écouter. Et il va faire suivre les audios d'un écrit pour mes autant à écouter. Il dit, fais l'effort d'écouter. Tu te feras toi-même ta propre opinion. C'est un pasteur. Il est du corps de Christ. Il m'a exhorté. Dès que j'ai pris l'audio et que j'ai ouvert, le premier audio que j'ai écouté étant couché, les manifestations ont commencé. J'ai commencé à trembler des manifestations, les vomissements. J'ai remis l'audio, les mêmes choses toute la journée. Le soir, j'ai remis les audios. Je suis allé au culte. Je suis revenu en soirée du dimanche soir. J'ai remis les audios, des manifestations toute la nuit. Bien-aimé, moi-même, je prie et je fais des délivrances pour des personnes qui vomissent. Moi-même, je vais aussi à des séminaires ou de grands hommes de Dieu. Mais me voici en train de faire des manifestations, toutes sortes de manifestations, des bâillements pendant presque 1 mois, des sifflements des serpents, des cris d'animaux, des vomissements, toutes sortes de manifestations. Un soir même, j'étais couché,
Je me suis senti comme sortant de mon corps. Sortant de mon corps. Bien-aimé, le débat aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas. Ce n'est pas où se loge le démon ou pas. Que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Je partage une expérience que j'ai vécue. J'ai participé à de grandes rencontres dans mon pays comme à l'extérieur avec des hommes de Dieu. Je n'ai jamais eu de manifestation. Plusieurs hommes de Dieu ont prié pour moi auparavant. Je n'ai jamais eu de manifestation. Mais rien qu'à l'écoute de cet enseignement, des délivrances ont commencé à s'opérer dans ma vie. Et je suis retourné à l'hôpital faire des examens. Tous les taux sont devenus normaux. L'acide urique est revenu à un taux normal. La glycémie est redescendue en dessous de 1,096. Les étouffements la nuit ont cessé. Je viens rendre témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour déjà ce qu'il a fait. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur Christ Ndikumana, qui l'utilise aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous sommes du corps de Christ. Et aujourd'hui, moi-même, pasteur, je partage les audios avec certains de mes fidèles. J'ai rendu témoignage dans ma propre communauté de ce que le Seigneur a fait au travers de ma vie par son serviteur et par Kanguka. Que Dieu bénisse son serviteur, qu'il bénisse toute la famille Kanguka. Shalom, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce moment. Tout ce que je suis te demande, c'est ta foi. J'aimerais qu'on comprenne que Dieu veut nous donner de bonnes choses. Si tu es malade, si tu es lié, si tu souffres, Dieu veut te délivrer, Dieu veut te donner la victoire. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 11. Il a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Si tu n'arrives pas à dormir, si tu es lié par des démons, si tu souffres, si tu as une maladie incurable, tout ça, ce sont des œuvres du diable. Tous ces mots viennent du diable et notre Père Céleste veut nous libérer. Donc, il faut comprendre que nous allons lui demander quelque chose qu'il veut lui-même faire. Tu souffres, il veut te donner la guérison. Parce que si la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Ayons la foi et soyons conscients qu'on veut demander à Dieu quelque chose qu'il veut nous donner. Il veut nous libérer. Il veut nous donner la victoire. Tu es lié, mais il veut te délivrer. Il y a beaucoup de délivrances qui vont s'opérer pendant cette prière. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que nous prions, parce qu'il y a la puissance de Je suis qui est en train d'agir maintenant même pendant que je parle. Au nom de Jésus, je te remercie pour ces miracles. Je vous demande toujours d'aller dans un endroit calme et il n'y a pas beaucoup de bruit. Soyez préparés, ne soyez pas distraits. Mettez la main là où vous souffrez. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, il va mettre ta main sur ton ventre et ayez la foi. Encore une fois, j'insiste, vous ne devez pas forcément sentir la manifestation ou je ne dois pas forcément citer votre maladie ou pas par reconnaissance. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Parce que Dieu le Père veut te donner quelque chose de bien, il veut te délivrer. C'est pour ça qu'il ne faut pas être distrait, parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main, là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, si la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses. Nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans cette prière. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur
au ventre. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière. Au nom de Jésus, maintenant tu es en train de saigner et tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus, je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, fuis. Tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte. Au nom de Jésus, tout ce qui était bloqué est débloqué. Au nom puissant de Jésus, il y a deux personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé de prier. Au nom de Jésus, que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les quatre coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement, au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans, il y a deux couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans, il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des deux enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces deux enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui prie pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Yahweh, merci, merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même et le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit lève-toi au nom de Jésus, que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de Je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Qui est en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison. Tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. Au partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite. Au nom de Jésus. Respire. Respire normalement. Je dis respire normalement. Au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ta main. Tu ne peux pas lever ton bras. Commence à lever ton bras. Parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C. Et la foi. Commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as un problème d'estomac, d'ulcère. Le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des saignements dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a deux personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces deux personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux, toi qui as des douleurs au niveau des yeux et la foi que le Seigneur te guérit, commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle, commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. Trois personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH, ayez la foi que vous êtes guéri au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé, au nom de Jésus, tu es guéri. Ayez la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a deux femmes et un homme qui souffrent du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur, je ne peux pas
incapacité, toutes les maladies. Mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. Au partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada ou aux États-Unis, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.